can't touch this. You can't touch this. Break it down. Salut les petits gars! Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Alors, vidéo éclair, ça va être très rapide. Mais en fait, aujourd'hui, n'en est tout autre que le... Merde, c'est pas la bonne montre. Le dimanche 4 mars, et c'est la fête des grands-mères. Dimanche 3 mars, je viens de vérifier. J'ai cuisiné hier soir, j'ai cuisiné ce matin pour faire un assortiment de mezzés. Des mezzés chauds et des mezzés froids. J'avais à cœur de faire la cuisine libanaise, premièrement parce que j'adore ça, mais deuxièmement parce que je trouve que c'est vraiment ce qu'il faut faire quand tu veux inviter des gens et faire plaisir, parce que la cuisine libanaise, c'est hyper convivial. Tout simplement parce que le principe, c'est de faire un assortiment de mezzés complet et tout le monde peut se servir à table. Venez avec moi, je vous montre. Alors recoucou, on est un peu de travers mais c'est pas grave, ça fait stylé. Les amis, je vais vous montrer un petit peu, j'ai tout ressorti en vrac hein, parce qu'après on va mettre ça sur la table. On va commencer par les mezzés chauds. Ici, j'ai fait des boulettes de viande hachée avec des carottes, des oignons, qu'est-ce que j'ai mis dedans encore, de l'ail. Et comme épice, j'ai mis du tikka masala. Ensuite, j'ai fait des chaussons, donc poulet, poireau, curry. Et donc j'ai refermé, c'est une pâte à pizza fait maison, hein, bien entendu. Voilà, ça fait des chaussons, des genres de mbanadas. Ensuite, en chaud, on a encore des falafels. Alors ça, c'est pas fait maison. J'ai acheté de la poudre bio de falafel. J'ai mis de l'eau dedans, j'ai fait gonfler et après, vous faites frire ça. Voilà, il y a juste ça aussi que je n'ai pas fait moi-même, c'est les feuilles de vigne. Feuilles de vigne, à l'intérieur, il y a de la viande hachée, du riz. Et ça sent fort le citron et c'est fort acidulé, il y a du vinaigre aussi. Ensuite, on passe au mezzé froid, les amis, avec le best du best du best, le hummus. Ensuite, on a un caviar d'aubergine. C'est tout simplement des aubergines compotées avec de l'huile d'olive. L'huile d'olive, bûche, ta gueule. Ensuite, une salade toute simple, taboulée. Un taboulé libanais. Normalement, il y a beaucoup plus de persil plat dans le taboulé libanais. Mais écoutez, on fait avec les moyens du bord. Du coup, j'ai mis un peu de poireaux, tomates, taboulé, coriandre et un tout petit peu de menthe. Enfin, une salade carottes, gourgettes, pommes. C'est pas spécialement libanais, mais c'est bon. Et voilà, de la pâte à naan. J'ai pas fourré au kiri. C'est moi qui ai fait la pâte, hein, bien entendu, mais je l'ai pas fourré au kiri. Je l'ai laissé nature. Ça va être utilisé pour manger le hummus. Voilà les amis, la vidéo elle est déjà terminée. C'était très court, je vous avais prévenu. Mais maintenant, on va accueillir la grand-mère et on va essayer de la régaler. Voilà, mamie. Bon appétit. Merci à toi. Et bonne fête encore. Merci. Merci. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vos mamies. Bye bye. Je lance le jingle. Non, tu sais, Gisèle, je te l'ai dit, fais le régime Bête Vatchers. J'ai déjà fait le régime Bête Vatchers. Bah alors, t'as perdu combien? 3 000 balles.